Yerushalayim ve'al kol Yisrael. Hu yaaseh shalom, hu yaaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yaaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yaaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Shabbat shalom. Est-ce qu'on peut être dans deux états à la fois? Est-ce qu'on peut être à la fois heureux et triste, fier et honteux ou honteuse? Est-ce qu'on peut être à la fois attaché et appartenant au judaïsme en même temps très très conscient de notre appartenance à la grande famille humaine? Et est-ce qu'on peut être rassemblé avec des gens qui sont dans des états différents de nous? Est-ce qu'on peut être heureux et heureuse quand il y a des gens malheureux à côté de nous? Est-ce qu'on peut être énergique quand il y a des gens qui ont besoin de calme? Est-ce qu'on peut être ensemble? Est-ce qu'on peut être jeune quand il y a des personnes d'âge plus avancé? Est-ce qu'on peut mélanger toutes ces choses-là? Une façon d'être ensemble, c'est d'être tous pareils et toutes pareilles. De se réduire, mais c'est une vraie tendance. Vous dites non, mais en vrai, je pense que ne pas se conformer à ça, c'est ultra dur. Parce qu'il y a des milieux où c'est normal d'être entre heureux et moyen, mais pas très, très, très heureux et pas très, très triste, par exemple. Tu vois ? Donc, bien sûr, on est sûr, on se dit, mais oui, bien sûr, on peut être ensemble en étant différent. Oui, mais jusqu'à où ? Et je pense donc que la question se pose vraiment et elle a une application très intéressante parce que dans un cas ça veut dire qu'on doit se réduire au minimum commun pour essayer de tous et toutes se ressembler, et en vrai probablement on le fait partout quand même, mais peut-être de moins en moins, peut-être qu'il y a des endroits où on a de plus en plus de liberté, ou alors sinon ce qu'il faut faire c'est toujours être concentré sur ce qui nous rassemble, même si, et savoir qu'on est ensemble, même si l'autre est très très loin. L'autre, tu vois, on peut, vous voyez ce que je veux dire? Je sais qu'en moi, il y a une étincelle de joie, même si je suis très très triste, mais je ne l'oublie pas quand même, je sais qu'elle est là, je ne perds pas le fil. Et donc j'y reste toujours attachée, donc les gens qui sont dans la joie, je peux être attachée à eux et elles, même si je suis très 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 loin. Et c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on augmente nos libertés quand on fait ça. Alors, c'est une chose à réfléchir, je pense, et je pense que c'est un travail permanent. Une partie de la réponse, vous l'avez ici, bien sûr. Est-ce qu'on peut être plusieurs choses différentes? Oui, en fait. Mais à condition qu'il y ait quelque chose au centre, qu'il y ait un texte au centre sur lequel on puisse s'appuyer pour se souvenir qu'on est ensemble. Dans notre parasha Vayetse, en fait, Jacob et Ésaü sont arrivés au point où ils ne pouvaient pas être ensemble, parce qu'ils ont complètement perdu contact avec ce qui les unissait. Parce que Ésaü, il est complètement, je ne sais pas très bien dans quoi, il faut voir, je peux avoir mes interprétations, mais je n'ai pas très bien envie de le dire, il faudrait lui demander. Mais bon, disons qu'il est vraiment dans la chasse, et être dehors, et j'en sais rien, il est poilu, et peut-être qu'il est viril, je ne sais pas, peut-être. Et Jacob, il est imberbe, il est un homme des tentes, ils n'ont rien à se dire. Mais en vrai, si. Mais en réalité, ils n'arrivent pas à le voir. Et pour cette raison, ils peuvent pas se parler, ils n'ont pas pu, à la fin de la paracha de la semaine dernière, se partager la bénédiction. Alors que le but, c'est quand même de faire un peuple. On ne peut pas faire un peuple à chaque génération, on ne choisit qu'un des descendants. Ça ne va pas marcher. À un moment donné, il va falloir que ça change. Ça changera avec Joseph et ses frères. Mais donc là, pour que... Et c'est pas possible d'avoir une dichotomie pareille. Donc, il va falloir que Jacob s'en aille et c'est ce qu'il fait dans notre paracha. Et je voudrais que ça puisse être un exemple ou peut-être une inspiration ou peut-être, je sais pas, pour toutes et tous de voir comment on élargit ses possibles intérieurs. Et est-ce qu'il y a des endroits comme Jacob, là où il était chez ses parents, où on peut pas être soi-même? Et dans quelle dimension on ne peut pas être soi-même? Par exemple, là, tout de suite, peut-être qu'autour de vous, il y a des gens, vous ne pouvez pas être vous-même dans cette dimension-là, à leur égard. Peut-être. Et ce serait très intéressant de le partager. Ce que fait Jacob, c'est que lui, qui est un homme des tentes,
il va quitter tout ce qu'il connaît, il va partir complètement à l'aventure. Et comme il est dans un état énorme de... Là, c'est mon interprétation de stress, en tout cas, ce qui est dans la Torah, c'est qu'il va rêver. Et il va rêver d'une échelle avec des personnalités ou des incarnations ou des idées ou des anges qui montent et qui descendent. Et il va découvrir de nouveaux univers et il va être amoureux d'une femme et se faire rouler et puis il va être amoureux et puis il va épouser une autre et puis il va créer quelque chose. Et ce qui se passe est complètement délirant parce qu'il part complètement tout seul. Il se retrouve à être fou d'amour, il se retrouve marié à une autre femme. Ces deux femmes se sont donné le mot pour pouvoir rester ensemble dans des circonstances qui sont hallucinantes et inacceptables. Je veux dire, c'est interdit dans le judaïsme d'épouser deux femmes, clairement. Donc, comment c'est possible qu'on ait un patriarche qui le fasse? Enfin, c'est hallucinant. Mais à ce moment-là, il faut trouver une solution. Il faut que quelque chose se passe. On ne peut pas dire que ce soit une famille classique. Hein, papa, quatre femmes, parce qu'il y a les servantes aussi. Voilà. À un moment donné, il va se passer plein de choses qui vont le faire sortir peut-être de la normativité de la tente où il était et où le monde peut-être était en théorie, fonctionnait pour lui dans la théorie. Mais donc, il va devoir complètement ouvrir son champ. Et moi, c'est la question que je me pose aussi à titre individuel, partout où je me trouve, bien sûr, et aussi dans notre communauté. Quelles sont les choses sur lesquelles on a besoin d'être identique? Sinon, c'est trop dur pour nous à porter. Et donc, ça veut dire que toute personne qui veut s'ajouter à la communauté doit être identique sur ce point-là, sinon. Et il ne faut pas trop faire semblant que ça n'existe pas, c'est sûr que ça existe. C'est sûr qu'on n'est pas tous égaux et égales là-dedans. Vous pouvez réfléchir à cette dimension. Venez me le dire après l'office, ou peut-être... groupe de deux bancs, d'accord. Dites-vous entre vous s'il y a des choses sur lesquelles vous pensez que vous ne pouvez pas partager le... Tu vois, que... Est-ce qu'il y a des facettes de votre identité? Vous vous dites « Ah, ah, bof !» Dites pas lesquelles, mais dites-vous par groupe de deux bancs, parce qu'on est trop nombreux pour discuter. Et de toute façon, il n'y a pas besoin d'un rabbin pour discuter. En par groupe de deux bancs, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous dites vous n'êtes pas obligé de partager si vous ne voulez pas, hein, juste un peu. Ou sinon, vous racontez autre chose, ce n'est pas grave. La question, c'est ça, c'est ce que vous dérangez. Bon, alors chacun se pose la question à sa façon. Moi, j'adorerais que vous continuiez, mais je vous propose de continuer peut-être au moment du kidouche ou par la suite, mais gardez le contact les uns les unes avec les autres. Et si on arrête l'office là, je pense que c'est très bien aussi. C'est super, c'est très bien. Non, mais moi je fonctionne. Hein? Non, mais c'est pas un vrai micro, c'est le micro du Zoom. Eh bien, en tout cas, continuez, je vous en prie, continuez cette discussion après. Continuez là, parce que c'est une discussion qui n'a pas vocation à s'arrêter. Et les personnes qui veulent poursuivre l'office, on va le poursuivre dans un instant. Les autres continuent à discuter. Moi, je suis court. Mais m'écoutez pas, continuez à discuter. Non, vraiment. Simplement, les dimensions dans lesquelles, il faut savoir que les dimensions dans lesquelles vous pensez que vous ne seriez peut-être pas accepté ici, il y a sans doute d'autres personnes qui les partagent. Et sans doute d'autres personnes qui pourraient nous rejoindre si elles étaient plus acceptées, facilitées. On peut toujours avancer sur la façon dont on peut se connaître les uns les autres.
on va passer à Allez-nous à la page 90. Mais les personnes qui discutent peuvent rester à discuter. Franchement, c'est super. Allez-nous, page 90. Hein? Non, non, parce que sinon, je vais les interrompre. Comme ça, je le ferai après. Allez-nous échapper à toi, la paix du mal observe et déchire. Chez nous, Mishpat Adamah, Shelo Samek Yom Kadem, Lero Alenu Kefal Hamonah, Banavnu Koreim, Umishpat Adim Uvodi, Yisnevei.